Tommy, Detective Narvin. How long you been in town? 3 years. They handed you the Morello case right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? The case must be getting pretty cold by now. Or you got something might warm it up? Yeah, I might have something. What do they call you, son? Thomas. Thomas Angelo, sir. Salut les papouges, donc là on est là aujourd'hui pour le test de Mafia 1, Mafia Definitive Edition, qui est le remake du Mafia 1 du début des années 2000. Et on va dire les choses directement, c'est un très très bon Mafia, un très très bon remake. Pour les personnes qui ont pu le faire à l'époque, je peux vous conseiller de le refaire. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, ben, j'attends à vous dire d'aller le faire sans hésiter. Alors ce Mafia-là, en fait, il est basé sur le moteur de Mafia 3, qui est un Mafia 3 qui est un petit peu décrié, dans le sens où, pour certains, il n'était pas vraiment dans l'esprit de Mafia, des deux premiers Mafia, et qui était un petit peu répétitif sur certaines missions, ce qui est vrai, mais dans l'ensemble, pour moi, personnellement, c'était un très bon Mafia. Mais bon, pour revenir sur le Mafia 1 Definitive Edition, honnêtement, c'est un très bon remake. Pour ceux qui l'ont fait, au niveau du gameplay, vous serez pas dépaysé, au contraire, vous serez content de refaire certaines scènes différemment, mises au goût du jour, avec des graphismes au top. Au niveau de la conduite des véhicules, bon, certes, vous conduisez des anciennes voitures, donc c'est un petit peu spécial, mais franchement, on est dans l'esprit. Ils respectent bien les choses. Au niveau du gameplay, de l'histoire, franchement, il n'y a rien à dire. Franchement, c'était pour moi déjà Mafia 1 de l'époque était pour moi le meilleur. Alors imaginez pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est le top. Et ceux qui l'ont déjà fait, honnêtement, vous pouvez le refaire. Hein. Parce qu'avec des graphismes remis comme ça, vous allez apprécier. Vous serez pas déçus en tous les cas, ça c'est sûr. Donc ensuite, au niveau des petits défauts que j'ai pu voir, il y a un petit peu de clipping et de popping sur les versions PS4 Pro, Xbox One X. Encore pire sur les versions PS4 normales et Xbox One normales. Et par contre sur la version PC, il y en a beaucoup moins. Il y en a un tout petit peu, mais c'est pas flagrant. Mais ça dérange pas pour l'expérience de jeu, donc franchement vous pouvez y aller. Donc en termes de défauts, c'est surtout ça que j'ai pu voir. La durée de vie n'est pas extrême. C'est vrai que c'est un petit défaut qu'il peut y avoir. Ça se finit en une dizaine d'heures. Pour ceux qui aiment bâcher, vous pouvez même le finir un petit peu plus rapidement. Et pour ceux qui prennent vraiment leur temps, je dirais une dizaine d'heures. Ouais, pas plus. C'est vraiment les deux défauts que j'ai pu voir entre qui sont le clipping, le popping et la durée de vie qui n'est pas extrême. Mais sinon, mis à part ça, franchement, vous pouvez y aller. Hein. Surtout qu'en plus, ce titre-là, il est sur. Si vous n'avez pas fait Mafia 2, si vous n'avez pas fait Mafia 3, moi, je vous conseille carrément d'acheter le collector. Vous avez un collector qui est sorti qui est sorti directement, où il y a Mafia 1, Mafia 2, Mafia 3. Mais par contre, si vous avez fait le 2 et le 3, prenez juste le Definitive Edition, et qui, pour moi, est très très bien, et je vais même vous donner sa note, qui est un 16,5 sur 20, et ça vous positionne le jeu. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Même au niveau du doublage et tout, top, 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 top. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de le faire. Merci les gars, à bientôt, c'était Papouche, bye bye. Narrative is so important to the franchise as a whole. We used our state-of-the-art motion capture and facial likeness technology to recreate all the cinematics and added new scenes and dialogue to further develop many of the game's most beloved characters. With that said, our reimagining of Mafia stays close to the original story, which tells the tale of Tommy Angelo, a cab driver who falls in with the mob by chance before rising to become one of Lost Heaven's most feared gangsters. Taking place over 8 years during Prohibition and its aftermath, this is an epic crime story set against